Nous sommes en Europe, et pas simplement au sein de l'Union européenne, dans un paysage fragmenté. Fragmenté pas simplement sur le plan des acteurs administratifs. Il y a plus d'une centaine de services de renseignement en Europe. Hein, vous voyez donc la difficulté de les faire coopérer entre eux. Sans parler des niveaux, comme en Allemagne, des services dans les Länder. Mais fragmenté parce que nous n'avons pas la même vision du terrorisme. Nous n'avons pas la même vision du renseignement. Nous n'avons pas les mêmes valeurs qui s'attachent aux libertés publiques. Et donc tout ce qui peut accentuer la convergence face à une réponse qui doit être une réponse stratégique, car nous sommes là aussi face à une réaction sous stress, ce que vous évoquiez comme communiqué. À chaque attentat, regardons comment en France notre code pénal évolue le jour d'après à chaque attentat. On en est à une vingtaine d'adaptations en 20 ans et pourtant ça ne suffit pas. Donc il faut reprendre de la perspective, c'est facile à dire peut-être pour nous, mais reprendre de la perspective, essayer de développer une vision commune. Alors on pourrait brandir, dire il faut un livre blanc sur la sécurité européenne face au terrorisme. Ça peut être le meilleur et le pire aussi, un gadget. Mais il faut développer tout ce qui permet de mieux développer l'idée, par exemple, du rôle des acteurs, du rôle du renseignement, du rôle des armées. Nous avons un rôle très différent accordé à l'entité militaire face au terrorisme en fonction de nos pays. Donc, alors, avançons sur cette convergence.